Bonsoir tout le monde. Donc, je vais effectivement parler de Mishima et de politique. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Politique du théâtre et théâtre politique », mais en fait, il va surtout être question de politique, enfin de Mishima et la politique de façon générale, même si on parlera aussi un peu de théâtre. Je m'excuse à l'avance pour ceux qui m'auraient entendu dans d'autres circonstances, parce que je vais sans doute répéter les choses que j'ai déjà dites, mais bon, c'est le problème quand on travaille sur Mishima depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on se retrouve contraint des fois à des redites, mais bon. Alors, je voulais d'abord commencer par dire que parler de Mishima et de politique, c'est évidemment un sujet délicat. C'est un sujet délicat pour plusieurs raisons, et je voulais commencer par ces dimensions-là. Alors, juste d'abord, pour la photo, hein, c'est Mishima avec Yoko Tadanori, un plasticien, artiste avec lequel Mishima a très souvent collaboré et avec lequel il a une certaine complicité, comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi est-ce que ça présente des difficultés de parler de Mishima et de politique ? D'abord parce que la politique de Mishima et la fin de sa vie a quand même posé des difficultés et a entraîné une interprétation de son œuvre parfois un peu superficielle, un peu plate. C'est le premier problème que je vois, c'est que la politique de Mishima, enfin l'engagement politique de Mishima à la fin de sa vie, a encouragé des biais interprétatifs sur son œuvre, notamment hein, pendant des années. On a eu une lecture qu'on pourrait dire téléologique de l'œuvre de Mishima, c'est-à-dire que tout est expliqué par rapport à la fin, sa mort. Et donc, alors ce qui est par certains côtés drôle, c'est que tous les critiques n'ont jamais la même œuvre en tête quand ils pensent que c'est l'œuvre qui annonce la mort de Mishima, mais ils sont tous persuadés que telle ou telle œuvre annonce sa mort. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été particulièrement marquant après, finalement, son décès dans les années 70, 80, 90. Et ça a pris du temps, quand même, pour qu'on sorte enfin de cette obsession de la vie, la mort de Mishima et la volonté de systématiquement interpréter son œuvre au prisme de sa vie ou sa vie au prisme de son œuvre. Ce qui a créé une lecture très circulaire, en fait, de l'œuvre de Mishima et qui est souvent pas très intéressante en fait, puisque on postule que l'explication de sa mort se trouve dans son œuvre ou l'explication de son œuvre se trouve dans sa mort et on arrive à un cercle interprétatif qui n'est pas très intéressant. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, le deuxième, et il est un peu lié à celui-ci, c'est que le fait de parler de Mishima et de la politique, ou de la politique chez Mishima, ça induit ou encourage à surestimer la part que la politique a eue dans la vie et l'œuvre de Mishima. J'y reviendrai, mais Mishima, homme politique ou activiste ou agitateur, ou je ne sais pas quel est le bon terme, quel est le terme qu'il faudrait utiliser, mais c'est les trois dernières années de sa vie. C'est en gros, ça, c'est 67, 68, 69. Enfin, ça commence en 67, on va dire quatre dernières années de sa vie. Il ne faut pas non plus surévaluer la part que ça a eu finalement par rapport à l'ensemble de sa carrière. Ensuite, c'est délicat parce que ça accentue les clivages que suscite le personnage de Mishima. C'est évidemment un écrivain qui, en raison de cette mort et de cet engagement politique, sent un peu le soufre, qui peut évoquer par certains côtés, même si ce sont des écrivains très différents stylistiquement, le cas Céline en France, qui va donc effectivement susciter voilà, des opinions très tranchées en raison de la mort qu'il a eue. Et il est vrai que cette propension à encourager comme ça les lectures un peu clivées ou partisanes ou en tout cas manichéennes de l'œuvre de Mishima, elles sont peut-être aussi déjà présentes dans l'œuvre elle-même parce que c'est un écrivain qui a une dimension un peu exhibitionniste, pas seulement
en tant qu'homme public, mais aussi en tant qu'écrivain, c'est-à-dire que sa littérature suscite des réactions très variées, très opposées, surtout, parce que c'est un écrivain qui aime comme ça à faire montre un petit peu de sa, de ses qualités, et donc suscite pour cette raison-là soit une sorte de fascination, soit une sorte de répulsion qu'on a toujours finalement face à quelqu'un qui est un peu exhibitionniste, qui est un peu dans la surenchère, qui et qui surtout cherche un peu à épater la galerie. Et puis dernier point, il me semble et il n'est pas négligeable, le fait de parler de la mort de Mishima, c'est toujours un peu délicat parce que ça peut alimenter un discours un peu exotisant qu'on a sur le Japon. Il s'est choisi cette mort qui peut évoquer celle des samouraïs à une certaine époque, même si je ne reviendrai pas sur tout cela, mais enfin, là encore, l'histoire du suicide rituel dans le Japon, c'est une question assez complexe, en fait. Mais comme vous le savez, peut-être, hein, le Japon est un pays qui suscite peut-être plus que tout autre, des discours très exotisants, très orientalisants. Et c'est vrai que Mishima a participé à cela, alors par sa mort, bien sûr, puisque finalement, si Mishima meurt comme meurent les guerriers du Japon médiéval, c'est bien que cette espèce de Japon mythifié, antique, existe. Mais pas seulement par sa mort, mais aussi par ses écrits. Le discours, la logique exotisante dans le cas japonais, elle tient aussi à une forme de jeu de miroir. C'est-à-dire que l'Occident a créé un discours très exotisant sur le Japon, sur ce Japon si particulier, si étrange, si différent. C'est le japonisme au moment de la rencontre, finalement, du Japon et de l'Occident à la fin du 19e. Et dans les années 60, à l'époque où Mishima est un peu finalement au summum de sa carrière, au Japon se développe tout un discours sur le caractère différent du Japon, de la culture japonaise. Donc l'identité japonaise d'après-guerre, un moment où le Japon doit effectivement, quand même, par certains côtés, redéfinir son identité après l'occupation américaine, la défaite et les bouleversements donc, de la période qui va de 45 au début des années 50, se développe. C'est à ce moment-là en fait, hein, que se développe un discours culturaliste au Japon qui existait déjà, mais qui prend beaucoup d'importance à ce moment-là, et qui va insister comme ça sur la spécificité, ce que serait la spécificité du Japon. Donc il y a une sorte de miroir entre l'exotisme des uns, le nôtre, et le culturalisme des autres, celui des Japonais. C'est ce qu'on appelle hein, en japonais les Nihonjinron, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça par nippologie peut-être, hein, c'est-à-dire ces discours impressionnistes qui essaient de définir ce que serait l'essence de l'identité japonaise. Alors là encore, personne n'est d'accord, hein, il y a toutes sortes d'explications sur ce que serait l'essence de l'identité japonaise, mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans les années 60. Et Mishima a aussi écrit, lui, des essais en ce sens. C'est-à-dire qu'il est lui-même un acteur de ces diverses Nihonjinron, enfin un des écrivains de ces diverses nippologies qui se développent dans les années 60. Il faut savoir d'ailleurs que l'un des livres de chevet de Mishima, enfin un des livres qu'il mentionne souvent et qu'il lisait avec beaucoup d'attention et qu'il l'évoque à plusieurs reprises, c'est Le sabre et le chrysanthème. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du livre Le sabre et le chrysanthème, mais pour vous expliquer ce que c'est que Le sabre et le chrysanthème, c'est un essai écrit par une anthropologue américaine qui s'appelle Ruth Benedict. Et Ruth Benedict, en fait, elle avait été chargée par l'armée américaine d'écrire un livre qui expliquerait aux soldats américains pour l'occupation ce qu'était le Japon et les Japonais. Donc, elle n'a pas vécu elle-même au Japon hein, à l'époque.
elle n'avait pas, elle ne parlait pas japonais. Par contre, elle a eu accès aux prisonniers de guerre japonais des Américains. Et c'est comme ça, à travers des films, des lectures et ses entretiens avec les prisonniers de guerre, qu'elle a rédigé ce livre qui s'appelle « Le sable et le chrysanthème », qui fonde un peu l'anthropologie sur le Japon, mais qui est quand même, alors qui est un livre par ailleurs très intéressant, hein, je ne vous dis pas que c'est un livre qu'il faut jeter à la poubelle, mais qui pose aussi hein, les fondations de ce discours exotisant en procédant notamment par opposition binaire, hein, d'un côté le Japon, de l'autre l'Occident, d'un côté la culture de la culpabilité, de l'autre la culture de la honte, etc. etc. Mishima hein, prenait beaucoup de plaisir à lire ce livre et son discours lui-même sur l'identité japonaise, que serait le propre du Japon, etc., s'alimentait beaucoup à cette lecture, notamment à partir de ce titre, hein, Le sabre et le chrysanthème, en suggérant qu'il y avait finalement deux grandes tendances dans la culture japonaise, celle du chrysanthème, la culture martiale, la culture guerrière, celle du sabre, excusez-moi, la culture martiale, la culture guerrière, et celle du chrysanthème, qui renvoie à l'empereur, mais aussi à une dimension plus esthétique, plus travaillée, un rapport esthétisé au monde, etc. Donc voilà pour les biais. Et maintenant, je vais juste faire un petit rappel quand même rapide de la carrière de Mishima, parce que ça me paraît quand même important pour ensuite voir un petit peu la suite. Alors, j'ai dit qu'il ne fallait pas surévaluer la part que joue la politique dans la vie et la carrière de Mishima, parce que finalement, c'est surtout les 3-4 dernières années de sa vie qui prennent une coloration politique très forte. Ceci étant, il faut reconnaître que le premier mouvement littéraire dans lequel Mishima fait ses premiers pas, en fait, quand il est encore très jeune, hein, adolescent, c'est le mouvement qu'on appelle le Showa Nihon Romanha, c'est-à-dire l'école romantique de l'ère Showa, qui était un mouvement littéraire donc, qui se développe à la fin des années 30 et qui va mourir en 45, qui a pour figure de proue un écrivain qui s'appelle Yasuda Yojuro, bon, qui est parfaitement inconnu en dehors du Japon, à part chez quelques spécialistes, mais qui est un écrivain très important dans l'histoire littéraire japonaise, qui est devenu la figure Oni du Japon d'après-guerre, un peu hein, le Drieu, La Rochelle, ou je sais pas, Rebattet local, si l'on veut. Et c'est vrai que ce mouvement littéraire, même s'il n'était pas un mouvement qui mettait très clairement en avant la politique du Japon en Chine, son expansionnisme en Asie-Pacifique, il ne s'agissait pas de récits qui mettaient en scène des soldats en train de tuer l'ennemi, etc. C'était plutôt des récits très esthétisés, très archaïsants, etc. Mais leur contenu était tout à fait soluble, compatible avec l'ultranationalisme de l'époque. C'est un mouvement qui s'opposait au réalisme de la littérature prolétarienne ou de ce qu'on appelle en japonais le shishosetsu, c'est-à-dire le roman du jeu. C'est un mouvement qui critiquait la dimension prosaïque de la littérature réaliste, notamment, qui voyait dans les mots une sorte de pouvoir quasiment religieux, et qui mettait en avant le thème de la belle mort, notamment. Donc là, c'est là où il était effectivement tout à fait compatible avec l'ultranationalisme ambiant, et notamment l'idée qu'il y avait une sorte d'essence japonaise, un corps national dans lequel on devait se fondre, et qu'il fallait refuser son individualisme pour se fondre dans ce corps-là. Ça, c'est vrai que Mishima Yukio a fait ses premiers pas dans cette école-là, un peu par hasard, parce que son enseignant à l'école des pères, Shimizu Fumio, était membre de cette école, et que finalement, il l'a pris sous son aile quand il a réalisé le talent que ce jeune homme avait. Il avait là, on parle de quelqu'un qui a 12-13 ans, hein, donc quand Shimizu Fumio le découvre. Et c'est vrai que les tout premiers textes de Mishima sont un peu dans cette esthétique-là. Ceci étant, quand la carrière de Mishima décolle vraiment, c'est-à-dire avec Confession d'un masque, au contraire, hein, il y a un refus
de cette école-là, un refus de cette esthétique-là. Et bon, je vais être très schématique parce que ce n'est pas l'objet de la conférence et puis j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais dans les années 50, on peut dire que globalement, sa littérature correspond aussi à une sorte d'école d'après-guerre. On prend les grands chefs-d'œuvre des années 50, c'est une littérature qui, par certains côtés, refuse hein, cet idéalisme de l'époque précédente et cherche aussi à montrer tout l'aspect sordide, parfois, que peut avoir l'expérience du réel. Je vais vraiment à grandes enjambées, mais je suis un peu obligé. Donc ça, ce sont les années 50. Mishima atteint une forte popularité quand même dès le début avec Confession d'un masque, et puis ça se confirme avec ses textes suivants, et notamment Kinkakuji, donc le pavillon d'or. Et puis il devient une personnalité publique. Son mariage avec Sugiyama Yoko, qui est la fille d'un peintre célèbre, est évidemment mentionné par la presse People. Il aime se mettre en scène, il aime apparaître dans les magazines, il s'essaie au métier d'acteur. On verra tout à l'heure un petit extrait que vous avez peut-être déjà vu. Il devient vraiment voilà, une personnalité importante du Japon d'après-guerre. Mais dans les années 60, effectivement, il y a quand même une sorte de revirement par certains côtés, ou une sorte de néo-romantisme. En tout cas, c'est comme ça que lui-même interprète sa carrière. L'idée que finalement, dans les années 60, il revient à ses années de formation. Il revient un petit peu à ce romantisme, à cette école romantique japonaise qui a marqué le tout début de sa carrière. Alors évidemment, c'est plus le même écrivain, il est beaucoup plus expérimenté, etc. Mais c'est de fait dans le cadre de ce peut-être ce néo-romantisme que on voit les premiers signes d'un infléchissement ou d'une réorientation politique de Mishima. Enfin, réorientation, on peut pas vraiment dire réorientation parce que finalement, auparavant, on peut pas, il a pas vraiment d'étiquette politique. Il est clairement pas à gauche, mais il est pas pour autant considéré comme quelqu'un très axé à droite, enfin, il est dans une sorte de flou un petit peu. Et ça, effectivement, ça disparaît progressivement avec les années 50. Alors, l'un des premiers textes qui va marquer une sorte de fléchissement, si je puis dire, ou qui est souvent mentionné quand on parle du moment où finalement Mishima se tourne vers l'ultranationalisme, ou revient à l'ultranationalisme, selon les interprétations, c'est un texte qui s'appelle Yukoku, alors qui a été traduit en français par patriotisme, qui est une traduction de l'anglais, qui a été traduit par patriotisme en anglais aussi, mais Le terme en japonais renvoie plutôt à l'idée d'une inquiétude pour le pays, hein, inquiétude pour la situation du pays. C'est une petite nouvelle qui, en français, est dans le recueil La mort en été. Et elle prend pour cadre, contexte historique, une tentative de coup d'État qui date du 26 février 1936. Donc, le 26 février 1936, des mutins de l'armée de terre ont fait une tentative de coup d'État, considérant que l'empereur était mal entouré, que leur discours, leur point de vue n'était pas entendu par l'empereur parce qu'il était finalement corrompu par les conseillers qu'il avait. Et cette tentative de mutinerie ultranationaliste a été matée. Les militants de la cause ont été condamnés, pour certains condamnés à mort. Et l'empereur a souhaité que cette mutinerie-là soit férocement matée. Alors, paradoxalement, par la suite, leur point de vue a gagné, puisque là, on est à la fin des années 36, c'est précisément au moment de basculement où le Japon s'oriente vers un nationalisme de plus en plus rigoureux. Comme vous le savez, mais il n'en reste pas moins que cette tentative-là
de coup d'État a entraîné une répression assez massive, enfin assez importante par rapport à d'autres tentatives de coup d'État ultranationalistes qui avaient précédé, qui avaient été gérées plutôt gentiment, on va dire, enfin avec indulgence par les autorités. Donc Mishima, il reprend le cadre de cette tentative de coup d'État, il met en scène un couple, un lieutenant qui a des amitiés avec les mutins, qui, comme il a des amitiés avec les mutins et qu'il est en même temps membre de l'armée, se trouve dans le cadre d'un conflit moral, puisque en tant que soldat, il doit réprimer la mutinerie, mais en tant qu'homme qui a des amis chez les mutins, il ne le veut pas. Donc, il se suicide par effondrement rituel. C'est le thème, on va dire, la justification du geste, même si cette justification est en fait dans la nouvelle relativement floue et pas forcément très convaincante. Alors, cette nouvelle, elle paraît en octobre 1960, enfin non, elle paraît fin 1960, puis de nouveau début 1961, mais elle est datée du 19 octobre 1960, si je me souviens bien, dans la première version. C'est pas anodin, puisque le 12 octobre 1960 se passe quand même un événement qui a beaucoup marqué au Japon, c'est l'assassinat de Asanuma Inejiro, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste japonais de l'époque, assassiné le 12 octobre 1960 par un jeune ultranationaliste de 17 ans, Yamaguchi Otoya. Alors, cette tentative d'assassinat politique, enfin, c'est cet assassinat politique, c'est pas une tentative, puisque Asanuma Inejiro est mort, hein, et vous avez cette très célèbre photo d'un journaliste du Mainichi, hein, qui a eu, je crois que c'est le prix Pulitzer pour la photographie. Cet assassinat, il marque le Japon d'après-guerre parce qu'il renoue avec une politique de l'assassinat politique qui a été celle de l'extrême droite dans le Japon des années 20-30. L'extrême droite a beaucoup pratiqué, enfin pratique toujours d'ailleurs au Japon, le chantage à la violence. C'est la violence qui permet de gagner des positions et de faire valoir son point de vue. Et d'ailleurs, par certains côtés, ça a marché puisque c'est à peu près à ce moment-là que se met en place des tabous sur certaines questions, dont la question de l'empereur. C'est-à-dire que le fait d'évoquer l'empereur, la famille impériale, de le critiquer, etc., commence à devenir assez tabou, justement, après ce type d'événement. Il y a une sorte d'autocensure, en fait, qui se met en place. La nouvelle Yukoku, enfin, donc patriotisme de Mishima, c'est vrai qu'on peut la lire donc comme un premier moment de basculement. Parce que il y a ce cadre, ce contexte politique qui sert de contexte fictif dans la nouvelle. Parce qu'elle est datée de quelques jours après le 12 octobre 1960, donc après la tentative, après l'assassinat de Asanuma Inejiro. Et puis parce qu'elle s'appelle tout simplement Yukoku, ce qui est effectivement patriotisme, c'est à peu près une traduction exacte. Hein. Donc ça peut paraître assez clair. En même temps, quand elle paraît, c'est pas si évident. Parce que d'abord, elle paraît dans le cadre d'un recueil où il y a plusieurs autres nouvelles qui n'ont absolument aucun rapport, qui mettent en scène à chaque fois des personnages jouant justement à un jeu, se mettant en scène. Il y a par exemple une nouvelle, alors je crois qu'elle a été traduite par 10 millions de yens, ou je ne sais plus quel est le titre. Hyakumen Senbei, donc le Senbei, c'est un type de biscuit à 10 millions de yens, qui met en scène un couple tout à fait classique du Japon d'après-guerre, qui a des fins de mois difficiles et qui arrondit ses fins de mois en se livrant à des ébats sexuels devant un parterre de bourgeoises blasées. Et puis, l'autre nouvelle avec laquelle Yukoku paraît, c'est une nouvelle qui s'appelle Star, donc Star, hein, de l'anglais, Star, qui met en scène un écrivain, alors je reparlerai de cette nouvelle tout à l'heure, mais qui met en scène un acteur qui, là encore, est systématiquement dans la représentation de soi et que Mishima décrit comme ne pouvant vivre qu'à travers le regard des autres. Donc le fait de mettre cette nouvelle Yukoku qui d'une certaine manière montre aussi un couple qui se met en scène
avec deux textes comme ça à côté, lui donne quand même une dimension un peu paradoxale. On ne sait pas vraiment si c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux ou pas au moment où ça sort. Par ailleurs, cette nouvelle, elle commence par un long prologue, enfin pas un prologue, hein, pas très long d'ailleurs, un chapitre d'une page et demie, mais qui est en japonais classique. Alors ça crée un effet très bizarre, très étrange, une sorte d'ovni littéraire, et on ne sait pas si c'est sérieux, on ne sait pas si c'est politique ou si c'est une blague. Et c'est par ailleurs une nouvelle très esthétisante, c'est-à-dire que Mishima utilise des références à la littérature médiévale, des références littéraires au thème du double suicide amoureux, qui est un thème du théâtre classique de l'époque d'Edo, enfin de Chikamatsu Manzaemon notamment, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Donc, c'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et à l'époque aussi, si certains critiques, certains intellectuels disent « Oula, il est en train de se passer quelque chose », c'est pas encore tout à fait évident. Surtout qu'il n'y a que ce texte comme ça, qui est un peu, là encore, une sorte d'ovni dans la carrière de Mishima. Il n'y a pas d'autres éléments qui suggéreraient que, clairement, il est en train de s'orienter vers une forme de pensée ultranationaliste. C'est plus tard, en fait, que ça devient plus clair, notamment en 1966, quand il va donc adapter cette nouvelle en film, hein, le film Yukoku, donc je crois que le titre français, c'était « Rite d'amour et de mort ». Alors le film en soi lui-même est aussi un peu étrange parce qu'il y a un jeu pareil, hein, sur, pour ceux qui ont vu le film, hein, sur, il y a une sorte de dimension de, comment on pourrait dire ça, d'avant-garde rétro. Hein. Il reprend un peu les codes du cinéma des années 20-30, donc là encore il y a quand même un travail esthétique et en même temps effectivement ça présente ce personnage qui se suicide par éventrement rituel et c'est Mishima qui joue le rôle du lieutenant. Mais dans le même temps, il va republier sa nouvelle dans un triptyque qui s'appelle « Les mannes des voix héroïques », on pourrait traduire ça en français, avec trois textes qui sont dédiés à ces incidents du 26 février 1936, donc à cette tentative de coup d'État dont il dit qu'elle l'a complètement fasciné, plus une préface où Mishima dit à quel point ces événements, ces incidents du 26 février 1936 l'ont touché, à quel point il considère que ces jeunes mutins qui sont morts héroïquement pour une cause perdue, c'est quelque chose qui l'a bouleversé. Donc là, quand même, le texte de Yukoku, cette petite nouvelle qui nous met en scène donc un couple qui se suicide par éventrement rituel, prend une connotation différente. Et puis, quand on regarde les essais, c'est clairement à partir de cette époque, plutôt finalement à partir de 1967, que tout d'un coup, Mishima se met à publier quantité d'essais politiques. Si vous regardez le volume de ses œuvres complètes, il y a clairement quelque chose qui se passe à cette période-là. Les volumes consacrés aux essais, avant, c'est surtout des essais littéraires ou des essais où Mishima évoque, parle de sa vision de la société japonaise, etc. Mais la dimension clairement politique n'est pas marquée, ou en tout cas pas très marquée, c'est avec les essais qui datent de 1967-1968 que là on voit qu'un grand pourcentage des essais publiés à l'époque sont politiques. Alors, politique jusqu'à quel point, j'y reviendrai. Mais bon, clairement, le cadre référentiel est celui de l'ultranationalisme. Par ailleurs, comme vous le savez peut-être, ils fondent une milice paramilitaire, hein, la Tatenokai, la société du bouclier. Là, on le voit chez lui, hein, en train de faire une petite cérémonie avec les membres de la Tatenokai. Et puis, vient surtout le 25 novembre 1970, l'incident Mishima Yukio. Hein, Mishima, avec quatre membres de sa milice, se rend au quartier général des forces d'autodéfense à Ichigaya, sous prétexte de montrer un sabre à un général qu'il connaît. Et puis, hein, ils prennent en otage ce général. Ils demandent à l'ensemble, ils exigent, hein, alors je ne reviens pas sur tous les détails de cette petite tentative de coup d'État, si je puis dire, mais il y a quand même des coups de sabre qui sont échangés. Enfin, ça n'a pas été non plus de tout repos. Hein. Il y a un soldat qui a été quand même assez
qui a été blessé de façon assez importante à un bras notamment. Ils réussissent, donc Mishima et ses quatre membres de sa milice paramilitaire, à obtenir effectivement que les soldats soient rassemblés devant le balcon attenant au bureau de ce général, et Mishima lit une sorte de manifeste en invitant les soldats à se joindre à lui dans une tentative de coup d'État. Évidemment, ils ne le suivent pas, au contraire, ils l'insultent. De toute façon, on ne l'entend pas très bien parce qu'il y a les hélicoptères de la police qui tournent, les hélicoptères de la presse qui tournent, que Mishima avait prévenu d'ailleurs. Et finalement, il rentre à l'intérieur et avec l'un de ses disciples, il fait l'éventrement, il commet l'éventrement rituel. Alors, la question que j'aimerais poser, après cette très longue introduction, c'est finalement, est-ce que Mishima a été vraiment un militant politique ? Est-ce que c'est vraiment un acteur de l'extrême droite ? Ou, hypothèse inverse, Mishima était finalement un nihiliste ou un exhibitionniste, et il a juste utilisé la politique comme tremplin parmi d'autres pour se mettre en scène. Alors, j'ai envie de dire, par certains côtés, toutes les réponses sont correctes. Et c'est peut-être pour ça que la mort de Mishima a fait verser tant d'encre. C'est qu'on pourrait l'interpréter de diverses manières et personne n'aurait forcément tort. Alors j'avais demandé à Laurence Briot et puis à la régie de passer deux petits films, peut-être qui n'ont pas de rapport direct avec notre objet, mais qui me semblent seront peut-être un tremplin pour la suite. Donc on va faire une petite pause en images. Moshi moshi. どこ行くんです2階さ何ですかあなた上にお客がいるんだろ女のやたらに行っちゃ困ります私が支配人さんに叱られますからそうかあんたグレンタイね朝日奈組の人に言うわよ面白い行ってみな3年ぶりだったな男の人ってたまに会うと優しいのねずいぶん色っぽくなったなそりゃあの自分より大人になったわ苦労したんだ男がいるんだろバカね男はあんた一人よこうやって会っちゃえばつい昨日のことみたいだけど本当に待ちくたびれたわもう嫌よどこへも行かないでねすげえな叩き打っても5、6万になる誰にもらった誰だっていいじゃないもらっとくぜ無所から帰ったばかりで空っ傷だからよいいわよ膨れるなよ手切れ金と思えば安いもんだ手切れ金おめえと手を切るんだこれっきり別れてくれどうしてなのあんたなんか誤解してんじゃないいいから起きて服を着るんだいやよあんなに待ってろって言ったじゃないあれ嘘だったのおめえ自分の命が欲しくないのか惜しかったらさっさと出て行きな何を出し抜けに相良組は俺を狙ってる落ち目の朝日内科にとどめを刺そうとしてるんだそれがどうしたのよ奴らはおめえを人質にして俺をおびき出そうとするに決まってるおめえ俺の身代わりになる気があるのかあるわよつまらねえ意地張るな俺はおめえを見殺しにするぜ俺たちはてめえが一番可愛いんだ女なんか暇つぶしの遊びさあんたそれでも人間なの俺かい俺はヤクザさcet homme se fait appeler Yukio Mishima on le surnomme le Cocteau japonais un anticonformiste dans un bain de conformisme
Un écrivain avec une caméra, un cinéaste avec une plume. Il traite avec bonheur tous les genres, nouvelles, romans, théâtre, essais. Quelques titres connus en Occident, Le Pavillon d'or, Confession d'un masque, Après le banquet. Son film Yukoku ou le patriotisme vient de faire sensation au dernier festival de Tours. Mishima, on dit que vous êtes un exhibitionniste. Est-ce que cela est vrai? Et si oui, qu'entendez-vous démontrer par là? Forcément, tous les écrivains sont des exhibitionnistes mentaux. Moi, je pratique des exhibitionnistes physiques parce que je suis timide. Derrière ces masques, je peux me casser. Mishima, qui êtes-vous donc? Je suis un écrivain japonais très sérieux. Je n'aime pas la littérature. C'est un peu comme Don Juan qui n'aime pas les femmes. Ah bon, ce que je trouve... Bon, évidemment, ces deux extraits, ils sont fascinants parce que bon, on y voit le goût de Mishima pour le fait de se mettre en scène, d'être sur les planches, si je puis dire, au théâtre comme dans la vie. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus convaincant dans le deuxième extrait que dans le premier. Enfin, je trouve, c'est-à-dire que quand il doit jouer le Yakuza pour un film, pour un vrai cinéaste, Masamura, ça se passe pas si bien que ça. C'est pas un très bon acteur. Mais dans le second, là, il est dans son rôle. Il ne parle pas du tout français. Hein. Mishima ne parle pas un mot de français. Mais pourtant, on arrive, on y croirait presque. On a vraiment l'impression qu'il parle français, même si on voit qu'en fait, il est en train de regarder les transcriptions phonétiques qu'il a notées sous son lit, en fait. Mais en tous les cas, voilà, il est clair que il y a cette dimension comme ça de mise en scène de soi et bon, le fait d'interpréter sa mort comme un happening politique n'est pas non plus fausse. Et je crois même que par certains côtés, une sorte de happening en soi avec une coloration politique, si je puis dire, c'est peut-être d'un point de vue heuristique un peu plus intéressant que le fait de simplement considérer que vraiment il y croyait, qu'il y avait vraiment un projet derrière, que c'est une vraie tentative de coup d'État. Mais néanmoins, il faut reconnaître que il y a des arguments aussi dans ce sens, c'est-à-dire qu'il a quand même fait constitué cette milice paramilitaire. Il y avait quand même un projet de constitution, alors très flou, mais ils avaient quand même commencé à élaborer un petit projet de constitution. Et puis il y a le manifeste aussi qu'il lit aux soldats, qu'il distribue en même temps d'ailleurs. Je peux vous donner un extrait qui me paraît assez intéressant. Nous allons maintenant vous montrer à tous qu'il existe des valeurs supérieures au simple respect de la vie. Ce n'est ni la liberté ni la démocratie, c'est le Japon, notre Japon, terre d'une histoire et d'une tradition que nous chérissons. Personne ne veut donc se sacrifier et mourir pour détruire cette constitution qui a ôté à notre pays sa substance. S'il y en a parmi vous qu'il se lève avec nous, meurt avec nous, nous sommes passés à l'action avec l'espoir ardent que vous tous, d'un esprit immaculé, vous ressuscitiez comme un seul homme et comme un authentique guerrier. Alors, ce qui est intéressant, certes, c'est pas très concret, c'est assez flou, mais néanmoins, on retrouve des éléments qui sont fréquemment présents dans les discours de l'extrême droite au Japon. D'abord, le rejet de la Constitution, qui est une constitution qui, je vous rappelle, a été rédigée par les Américains en 1946, et rejet notamment de l'article 9, qui interdit au Japon d'avoir une armée qui soit autre qu'une armée de protection, les forces d'autodéfense. Donc, sur ce point, oui, il y a quand même un ancrage, très clairement, dans un discours d'extrême droite traditionnel. Après, l'extrême droite au Japon est assez variée. Il y a les anti-américains, les pro-américains, etc. Il y a beaucoup de petites écoles différentes. Mais enfin, sur le rejet de la Constitution, des valeurs démocratiques du Japon d'après-guerre, etc., il y a quand même une sorte de continuum, et Mishima s'inscrit dedans. Donc là, ce serait la première ligne argumentative, celle qui consiste à dire que, bah oui, il est mort pour ses valeurs, et s'il est mort, c'est quand même pas pour rien, et puis regardez, il y a ce discours, il y a ce projet de constitution, etc. Alors maintenant, autre argument. Déjà,
j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on meurt que ça prouve quoi que ce soit. L'histoire est remplie de gens qui meurent pour des causes auxquelles ils ne croient pas. Par ailleurs, c'est pas inintéressant de savoir que le seppuku, c'est-à-dire l'éventrement par suicide rituel, avait souvent justement cette fonction dans le Japon médiéval d'avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire que parce qu'on meurt, on est lavé de nos soupçons, on est purifié, parce qu'on s'ouvre le ventre, on ne peut pas être accusé de crime, d'une certaine manière. Donc là, c'est un peu ce type d'argument qui a été repris pour la mort de Mishima. Puisqu'il est mort, puisqu'il s'est ouvert le ventre, c'est bien qu'il y croyait. Mais, encore une fois, c'est un argument qui a une dimension sophistique, en tout cas, qu'on ne peut pas, à mon avis, considérer comme ultime et contre lequel on ne pourrait pas contre-argumenter. Par ailleurs, Mishima, en fait, quand on se penche sur ses essais politiques, quand on les lit, on constate qu'il n'y a pas de pensée institutionnelle. Alors peut-être qu'il y a une dimension politique dans son action, sans doute, mais ce n'est certainement pas quelqu'un qui a une pensée institutionnelle. D'ailleurs, son projet de constitution, il est très flou. La seule idée qui revient toujours, c'est que l'empereur est au centre de tout, que l'empereur doit être au centre de tout. Mais concrètement, comment il va organiser le Japon une fois qu'il aura, si jamais son coup d'État avait réussi? Quelles seraient les institutions qui prendraient en la tête du Japon? Comment ça serait organisé, etc. Il s'en fiche, ça ne l'intéresse pas. Et aucun de ces essais politiques, nombreux, n'ont cette dimension de réflexion institutionnelle. Vous avez des penseurs d'extrême droite qui ont une réflexion institutionnelle, qui vous expliquent comment ils veulent que l'État soit organisé. Mishima ne propose pas vraiment de schéma, en fait, du pays ou du système politique qu'il veut. Quand il y a des bribes à cet égard, alors l'essai le plus abouti, enfin en tout cas qui se voudrait le plus abouti, c'est un essai qui s'appelle Défense de la culture, Bunka Boenan. Mais pareil, c'est assez flou. C'est-à-dire on a beaucoup de grands concepts comme ça sur l'empereur comme continuité temporelle et continuité spatiale du Japon. Donc l'idée que finalement, via l'empereur, on aurait quelque chose qui transcenderait le temps et l'espace et qui serait l'entité, l'essence du Japon. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur comment Mishima voudrait que le Japon soit organisé dans son idéal politique. Et dans ce livre, qui est considéré comme, enfin dans cet essai, qui est considéré comme celui qui exposerait vraiment un peu l'essence de la pensée politique de Mishima, il y a un passage où, c'est le seul passage où on aboutit à quelque chose d'un peu concret sur qu'est-ce qu'il a en tête, ce serait celui-là, de mon point de vue. Lors d'un voyage en Asie du Sud-Est, j'ai vu et entendu parler d'exemples concrets d'une scission et autochtonisation poussée du communisme. Ainsi, par exemple, le Front national d'obédience communiste en Thaïlande renforce sa cohésion en chantant à la fin de ses meetings des hymnes en l'honneur du roi. Tandis qu'au Laos, le Pathet Lao, l'organe des forces communistes qui occupent les deux tiers du territoire, continue à respecter et à vénérer le roi. Ainsi, à leur propice, le peuple, soutenant en grande majorité de façon écrasante un système fondé sur l'empereur symbolique, pourrait peut-être simultanément accepter la formation d'un pouvoir communiste. Alors il serait même possible d'espérer, en passant par l'étape intermédiaire de la démocratie représentative, la mise en place pacifique d'un régime communiste sous l'égide du système de l'empereur. Donc là, il fait le grand écart. Il a peut-être effectivement l'espoir chimérique que, en fait, les étudiants d'extrême gauche, qui sont effectivement assez actifs à l'époque, vont le rejoindre, en fait, et qu'on pourrait, comme ça, avoir un système qui soit finalement la conjonction des idéaux de la gauche estudiantine de l'époque et de son système à lui qui place l'empereur au centre de tout. Vous le verrez si vous regardez ce soir donc le film The Last Debate, qui présente donc ce débat par certains côtés assez fascinant entre Mishima et l'extrême gauche estudiantine. Il y croit vraiment, il leur tend vraiment des perches, il leur dit mettez le mot empereur, ajoutez le mot empereur à votre discours et on est ensemble. C'est le passage le plus fameux en fait de ce
de ce débat, mais c'est aussi un passage qui nous dit à quel point il n'y a pas vraiment de pensée politique. Il suffirait finalement qu'on ajoute un mot à un discours d'extrême gauche pour que tout d'un coup, ça y est, on ait la solution d'idéal communiste et l'empereur. Sachant que l'extrême gauche de l'époque, l'extrême gauche estudiantine, est elle-même extrêmement divisée en écoles variées, sous sectes, etc. Donc, c'est la deuxième ligne, finalement. Oui, peut-être que Mishima a fait preuve d'activisme politique, mais enfin, il n'avait pas de pensée institutionnelle. Et, en ce sens, on pourrait dire que c'est un trotskiste de droite. C'est une sorte de personnage fasciné par la... Enfin, c'est un homme fasciné par l'action, le coup d'État, par le coup d'État et pas par l'État. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est qu'il se passe quelque chose, qu'on soit dans la rue, qu'il y ait des combats, etc. Et d'ailleurs, ces essais politiques de l'époque, en fait, ce sont surtout des essais qui parlent de l'action. Et là, s'il n'a pas vraiment de théorie politique, il a en revanche une théorie de l'action. Enfin, en tout cas, pas de théorie institutionnelle, il a une théorie de l'action. Et les philosophes ou les penseurs auxquels il se réfère sont aussi toujours des gens qui ont une pensée comme ça de l'action, comme l'action... L'action comme étant ce qui viendrait résoudre toutes les difficultés, ce qui permettrait finalement de créer dans son action même, dans son fait même, l'idéal politique qu'on prétend atteindre. Donc ce qui compte, c'est l'instant révolutionnaire, par certains côtés. Alors, cette théorie de l'action, elle est aussi très intéressante parce qu'elle ne voile pas du tout son fond nihiliste. Et c'est là quand même où l'autre ligne argumentative qui consiste à dire il ne croyait pas du tout, de toute façon c'est un nihiliste, a quand même aussi des raisons d'être. Alors je vous donne un petit exemple, par exemple. C'est un extrait d'un article, enfin d'un petit essai qui s'appelle « Introduction à une théorie de l'action » de Mishima Yukio, qui date de 1967. Je souhaiterais surtout évoquer le caractère de l'action accomplie sans entrain, l'action à laquelle les circonstances nous contraignent. Car ici gît le secret de cette singulière ironie propre à l'action. Comme j'ai dit plus haut, l'action n'est pas toujours cette course précipitée vers le soleil conforme à notre souhait et à notre désir, accompli le cœur rempli d'une joie lumineuse. Les êtres vivants ont aussi un instinct de survie qui les amène normalement à éviter le danger. Les jeunes guerriers qui se dirigent vers le champ de bataille prennent une pause pour suggérer qu'ils y vont avec joie, cherchent à impressionner le monde en lui laissant une preuve de leur courage, mais nous ignorons ce qu'ils éprouvent au fond de leur cœur. Sans entrer plus avant dans ces sentiments, nous savons toutefois qu'il existe une logique propre à l'action qui, fût-ce contre nos gré, nous accule néanmoins à aller jusqu'au bout, et il arrive finalement que l'on se retrouve emporté par l'action que nous avions le moins envie d'accomplir. C'est très intéressant. Alors, il compare aussi l'action à la balle du pistolet. On appuie, elle part, on ne peut plus rien faire, elle est partie. C'est très intéressant quand même quand on sait comment il est mort finalement, parce qu'il est probable qu'il se soit dit « je vais m'enfermer finalement dans une situation dans laquelle je ne pourrai pas sortir et comme ça j'irai au bout ». Il y a dans ce petit essai qui est assez intéressant finalement, « Introduction à une théorie de l'action », un autre passage où il commente les actions de la guérilla urbaine de l'extrême gauche estudiantine de l'époque. Il est fasciné, il va sur place, il va voir comment font ces petits groupes d'étudiants qui provoquent la police. Et ce qui le fascine, c'est que les étudiants d'extrême gauche créent une opposition qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60, la police anti-émeute japonaise, elle a maté en fait la rébellion étudiante. Et d'ailleurs, quand vous verrez le débat tout à l'heure, il faut quand même garder en tête qu'on est à une époque où cette extrême gauche estudiantine n'a plus du tout le soutien de l'opinion publique, ce qui n'était pas le cas au début des années 60. Elle s'est coupée complètement finalement du reste de la population. Elle s'est elle-même segmentée en différentes sous-groupes qui s'opposent les uns aux autres. Et elle part aussi dans une sorte de surenchère via l'action. Et ce qui fascine Mishima, c'est ça, c'est qu'il décrit ces petits groupes d'étudiants qui sont isolés,
La police anti-émeute a tout bouché. De toute façon, on ne peut plus rien faire. Il ne va rien se passer. Et là, ce n'est pas, l'opinion publique japonaise qui va courir en masse pour soutenir les étudiants. Mais donc, il crée les conditions d'une opposition qui n'existait pas. C'est-à-dire, il provoque pour que, finalement, la police réagisse et que donc un combat ait lieu et que donc une antithèse des forces contre une autre force existe. Ça, c'est un autre pan de l'action qui fascine Mishima. C'est qu'elle crée des pôles, elle crée des antithèses. Et pareil, si vous regardez ce soir ce débat avec les étudiants, il y a un passage fascinant où il dit « J'ai choisi un ennemi, il me fallait un ennemi, j'en ai choisi un, ce sont les communistes. » Et donc il assume complètement le caractère, par certains côtés, construit hein, de cette opposition. Et là, je serais tenté d'ajouter une dernière ligne finalement argumentative ou explicative finalement de cette fin de vie de Mishima, qui est le thème du simulacre. Ça, c'est la maison de Mishima. Mishima, il a demandé à son architecte une maison qui soit une imitation de maison coloniale victorienne. Alors, ça peut paraître anodin, mais pas complètement, parce que les maisons coloniales victoriennes, ce sont déjà des imitations. C'est-à-dire que ce sont des imitations de maisons victoriennes dans les colonies britanniques. Lui, il demande une imitation de cela. On est dans le thème du simulacre, c'est-à-dire dans l'imitation d'imitation, dans cette idée que la copie originale, enfin l'original n'a plus d'importance, que la copie de copie s'installe et que tout lien avec l'original est perdu. Autre petit détail que j'aime rappeler, Mishima adorait Disneyland. Et Disneyland, qu'est-ce sinon ce lieu finalement qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de géographie, qui est totalement désindexé du réel ? C'est cette idée de création ex nihilo, en fait, d'une réalité qui n'existait pas. Et c'est ça que l'action politique aussi permet. Je ne dis pas ça simplement pour suggérer qu'il n'y a absolument aucun fondement substantiel à l'action de Mishima. Encore une fois, je vous ai aussi donné l'autre ligne argumentative et elle se défend tout à fait. Mais si vous regardez les œuvres littéraires de Mishima dans les années 60, ce thème-là, cette idée qu'en fait, on peut créer ex nihilo une réalité, il est omniprésent. Dans tous les nouvelles, les romans de Mishima, cette idée apparaît de façon presque systématique à cette époque. Et on pourrait être tenté de lire aussi, hein, quand même, La mort de Mishima sous cet angle-là. Encore une fois, ce n'est pas une lecture définitive, mais c'est une des lectures possibles, c'est-à-dire comme une autre illustration de cette idée que, via l'action, on peut créer, à partir de rien, finalement, quelque chose. Alors, un autre élément qui est parfois mentionné, d'ailleurs, d'un point de vue plus de là, du trajet littéraire de Mishima, c'est l'opposition entre la fin d'un roman qui s'appelle La maison de Kyoko, en 1959, et puis justement la nouvelle Patriotisme Yukoku que j'ai évoquée tout à l'heure. Dans la fin de La maison de Kyoko, vous avez un personnage qui est le personnage du boxeur qui ne peut plus boxer parce que, après une rixe de rue, il est blessé et à la main et il ne peut plus boxer, ce qui était sa raison d'être. Et il s'engage dans un groupuscule d'extrême droite. Et un autre personnage lui dit, mais pourquoi tu as des idéaux, tu as maintenant un engagement politique. Ah non, je n'y crois pas du tout. Je ne crois absolument pas à leurs idéaux, mais je voulais juste avoir quelque chose pour combler le vide. Et puis, effectivement, début des années 1960, on a cette petite nouvelle du Yukoku, où là, on nous présente un personnage qui serait engagé dans une foi ultranationaliste, mais sans la distance ironique. Un critique japonais dont l'essai a marqué un peu les études sur Mishima interprète cela comme le basculement de l'ironiste dans l'absence d'ironie. C'est-à-dire, le bout de l'ironie, ça serait finalement d'abandonner l'ironie, par ironie. C'est une interprétation qui, encore une fois,
peut être contestable, mais à mon avis, elle touche quand même une certaine réalité. Et parmi les signes avant-coureurs de cet engagement de Mishima vers l'ultranationalisme, il n'y a pas seulement Yukoku, il y a un petit essai qui s'appelle sur Hayashi Fusao. Hayashi Fusao, c'est un écrivain et un penseur japonais qui, comme beaucoup de penseurs japonais des années 30, a fait ses armes dans la littérature prolétarienne. Il faut savoir que dans les années 30, la littérature prolétarienne est très influente, elle a de l'importance avant d'être matée par le pouvoir, et beaucoup d'écrivains ont fait ce qu'on appelle en japonais le tenko, c'est-à-dire l'apostat politique. Le Japon n'avait pas une politique de répression aussi violente que celle de l'Allemagne nazie, mais il utilisait des moyens de pression, un boulot ou la famille, etc., pour convaincre, amener des écrivains qui étaient engagés à gauche à se dédier publiquement, à signer une lettre où ils considéraient qu'officiellement ils s'étaient trompés et où ils affirmaient que maintenant ils épousaient la foi, l'ultranationalisme, le Japon, l'empereur, etc. Hayashi Fusao, c'est un écrivain, parmi d'autres, qui a connu ce parcours. Mishima, en 1963, il écrit un essai sur cet écrivain, qui n'est pas un écrivain très important en soi, mais il est juste important parce qu'il a ce parcours-là. Et comment est-ce que Mishima interprète cet apostat politique ? Eh bien, justement, comme quelque chose qui tient au fait que ce qui compte, c'est le désir de l'idéal, mais pas son contenu. Donc il écrit quand même noir sur blanc que ce qui le passionne chez Hayashi Fusao, c'est que finalement, il avait ce désir, cette pulsion pour un idéal, et que d'abord ça a été la pensée prolétarienne, le communisme, puis ensuite c'est devenu l'ultranationalisme. Mais qu'importe, le contenu n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'aspiration vers. Donc il y a quand même des propos de Mishima qui indiquent très clairement une sorte de nihilisme romantique, si je puis dire, qui aboutit à un jusqu'au boutisme, qui aboutit paradoxalement à une forme de jusqu'en boutisme. Et c'est vrai que il me paraît quand même un peu logique de lier ça à cette thématique du simulacre qu'on retrouve dans toutes ses œuvres des années 60, dans ses œuvres littéraires des années 60. Il y a un extrait de cette nouvelle Star, donc Star, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui faisait partie des textes qui avaient été dans un recueil dans lequel était présent Yukoku. Alors je cite très souvent cet extrait, donc les gens qui m'ont déjà entendu vont lever les yeux au ciel, mais pourquoi je trouve cet extrait intéressant ? Alors, dans Star, le personnage principal, c'est un acteur. Mishima a toute une théorie de l'acteur qui, là aussi, a une dimension un peu, justement, nihiliste. C'est-à-dire que l'acteur, c'est celui qui s'objective dans le regard des autres, qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de réalité, qui est une sorte de néant, mais qui prend réalité dans le fait d'être acteur et d'être objectivé par le regard qu'on porte sur lui. Cet acteur devait tourner dans un film qui portait sur l'aristocratie. Et avec le directeur de production, ils vont dans une soirée où il y a des anciens aristocrates pour trouver de l'inspiration, pour voir ce que c'est que l'aristocratie et pour l'utiliser dans le cadre du film qu'ils veulent créer. Il était prévu que le prochain film soit une histoire d'amour tragique se déroulant dans la haute société. Pour que je l'étudie de mes propres yeux, le directeur de production m'emmena après une journée de tournage dans une soirée organisée par un ancien prince. Il s'agissait, m'avait-il expliqué, d'une réception mensuelle réunissant dans l'ancien palais de l'ancien maître des lieux, devenu entre-temps un hôtel, des anciens nobles de Meiji ou des gens de haut lignage accompagnés des membres de leur famille. Le directeur de production adressait des courbettes à tous ceux qu'il rencontrait et auxquels il me présentait. Jamais je ne m'étais trouvé dans une assemblée qui tint si peu compte de ma personne. Tout le monde faisait semblant d'ignorer mon nom
et ces jeunes demoiselles distinguées prétendaient n'avoir jamais vu mes films. Dès les présentations faites, elles retournaient à leur conversation entre amis. Dans le train du retour, le directeur de production se transforma subitement en pro-démocrate. Putain de nobles tombés dans la misère, tu peux être sûr que quand ils sont chez eux, ils bouffent des sardines séchées. Le cinéma, c'est de l'imaginaire authentique. C'est mieux que tu joues un prince pur et sympathique sans te référer à ces mecs-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que d'abord, en fait, c'est un retournement du trajet réaliste, c'est-à-dire l'idée que l'artiste réaliste, c'est celui qui s'inspire du réel pour l'imiter dans son œuvre. Donc on part de ça, c'est-à-dire l'idée c'est ça. On va voir chez les aristocrates comment ils sont, puis ça va nous inspirer pour faire un film. Et le réel nous déçoit. Eh bien tant pis, on invente. Puisque un beau mensonge vaut mieux qu'une vérité laide. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve systématiquement dans l'œuvre des années 1960. Et peut-être que cet ultime geste de Mishima est aussi cela, hein, une sorte de joli mensonge qui vaut mieux qu'une vérité laide. Dernière ligne peut-être argumentative, ou dernière façon aussi d'expliquer cette fin, c'est l'idée que la politique peut être une continuation de l'art dans la vie réelle. Alors, c'est un peu lié à ce que je viens de dire, de toute façon. Mais ce discours que j'ai tenu sur la volonté de Mishima d'avoir une action politique pour être dans un univers qui a des oppositions, qui est vivant, où il y a du manichéisme, où il y a des camps et où il faut prendre parti, etc. En fait, ce sont des choses que, par certains côtés, on retrouve beaucoup dans son théâtre et de façon générale dans son œuvre. C'est-à-dire que Mishima aime les antinomies, il aime les oppositions, il aime beaucoup le duel verbal dans ses œuvres théâtrales, par exemple. Et donc, il y a là quand même une forme de continuité entre le choix d'une action politique qui crée ces oppositions et une fascination qu'avait déjà Mishima d'emblée pour la dimension antithétique que la vie peut avoir. Et un dernier élément, parce que je le retourne et je passe un peu rapidement, mais qui est évidemment très important, donc encore une autre ligne d'argumentation. Enfin, c'est le but aussi de cette présentation, c'est de vous montrer que finalement, il y a une dissémination, c'est-à-dire qu'à partir de la mort de Mishima, il y a quantité de lectures possibles. Une dernière dimension, c'est évidemment l'érotisme. Clairement, il y a quand même une fascination érotique de Mishima pour la mort, ça c'est sûr, mais aussi pour le seppuku. Quand paraît cette nouvelle Yukoku, que j'ai évoqué, donc patriotisme, qui met en scène un couple qui meurt par éventrement, il publie sous pseudonyme une nouvelle homoérotique où, dans laquelle un prof de sport commet un éventrement rituel devant son étudiant qui lui demande de mourir par éventrement rituel, soi-disant pour venger la mort d'un camarade de classe meurt de pneumonie après avoir été puni par ce professeur de sport. Et alors c'est une petite nouvelle qui paraît sous pseudonyme. Personne n'a jamais su, enfin, à part les Happy Few, que c'était Mishima qui l'avait écrite. Et c'est que récemment qu'il a attesté que c'était bien un texte de Mishima. Et cette nouvelle, cet éventrement rituel, est l'occasion d'élan homo-érotique assez marqué. Enfin, ils ont une érection pendant que l'autre se fait l'éventrement, etc. Donc il y a quand même clairement une fascination érotique de Mishima pour l'action politique, pour le seppuku, mais aussi pour l'action politique, parce que justement l'action politique est contrainte, et il a une vision de l'érotisme comme contrainte qu'on impose à l'autre. Alors, je finirai sur ce petit dessin de Yoko Tadanori, donc, qui est ici, que vous voyez ici avec Mishima, et que Mishima aimait beaucoup, et qui s'intitule Kamikaze tranchant son membre viril, justement, ne tranchant pas son membre, mais son membre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que là, on a toute l'imagerie ultranationaliste de base, c'est-à-dire... On reprend les grands symboles du Japon, le mont Fuji, les fleurs de cerisier, le petit poème en coin, l'écharpe qui vole au vent, le guerrier qui va mourir.
Sauf que son blouson est fermé. Ce n'est pas son ventre que ce guerrier coupe, mais c'est son sexe. Donc là, et par ailleurs, le petit poème en coin n'est pas un poème de l'anthologie classique comme un Yoshu ou autre, c'est une chanson à la mode de l'époque. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant où, en fait, par un subtil décalage, quand même, on retourne un peu le kitsch ultranationaliste pour proposer quelque chose de quand même assez différent, qu'on retrouvera par exemple chez quelqu'un comme le mangaka Maruho. Hein. Maruho fait beaucoup ça aussi. Et Mishima adorait ce tableau. Donc, c'est toute la difficulté que nous pose quelqu'un comme Mishima. Il a toujours un temps d'avance sur nous. Il sait très bien que ce qu'il fait relève d'une forme de création ex nihilo, d'une sorte d'invention, d'une réalité qui n'existait pas, procède aussi de pulsions sexuelles et autres. Il en a parfaitement conscience, et même, il nous le montre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, et je suis maintenant disposé à vous écouter vos questions. Oui, merci Thomas pour cet exposé absolument passionnant, et qui justement n'est pas dans la dichotomie, mais qui montre les multiples facettes de cet homme et cet écrivain tout à fait singulier. En fait, j'avais plusieurs questions. Il me semble, en tout cas, si je m'appuie sur ce que tu as dit des dernières années de Mishima et ce retour à une forme de néo-romantisme, mais qui va s'incarner dans l'action, qu'il y aurait comme une sorte de retour justement à l'école néo-romantique japonaise à laquelle Mishima a appartenu dans son très jeune âge au moment de la guerre. Et en même temps, tu parlais d'idéalisme. Moi, ce qui m'interroge beaucoup dans la fascination de Mishima pour l'Empire et pour l'Empereur, c'est que d'après ce que j'ai pu lire, enfin, ça c'est mon interprétation et j'aimerais savoir ton avis à ce sujet. En fait, c'est une fascination qui est tout à fait basée sur des affects, enfin, en partie. Je crois que c'est d'ailleurs dans le film qu'on va voir tout à l'heure que Mishima évoque devant les étudiants d'extrême gauche l'empereur et plus spécifiquement donc l'empereur Hirohito qui était encore régnant à ce moment-là. Et il parle pratiquement avec des sanglots dans la voix du moment où Hirohito est venu à l'école des pères pour une distribution des prix. Et il a remis à Mishima, enfin, qui était un des élèves les plus brillants, une médaille ou je ne sais quoi. Et là, il parle de Hirohito comme c'était absolument merveilleux, la simplicité de cet homme, c'est-à-dire en fait ce dieu qui descend de son empyré pour donner ce cadeau. C'était peut-être une montre, enfin, je ne sais plus. Si, oui, c'est ça. Oui. Et donc, en même temps, je pense que même s'il ne l'a pas exprimé aussi directement, Mishima haïssait Hirohito, tout simplement parce que Hirohito a déclaré, après la guerre, qu'il n'était pas un dieu, qu'il était un homme comme les autres. Et ça, c'est très étonnant parce que je vois dans toutes ces réactions de Mishima, bon, bien sûr, une aspiration à un mythe qui ne peut pas être détruit. Et l'empereur Hirohito l'a détruit. Donc, il a trahi. Et je trouve tous ces comportements ou ces rêves ou ces aspirations, comme tu disais, extrêmement adolescentes. J'aimerais avoir ton avis à ce sujet. Ben, tu as déjà donné beaucoup d'éléments. Alors, extrêmement adolescente, peut-être en même temps, il faut reconnaître que, pour revenir finalement à cela, effectivement, le fait que le 26 février 1936 soit un événement qui l'est beaucoup marqué, enfin en tout cas dans le discours qu'il porte à son sujet, et qu'il associe d'ailleurs notamment dans Eirei no Koe, La voix des moines héroïques. Donc, la voix des moines héroïques, c'est une sorte de poème en prose qui fait parler en fait les morts pour l'empereur. Et dans ce poème en prose, ceux qui sont morts en tant que Tokkotai, c'est-à-dire les missions spéciales, les kamikazes de la Seconde Guerre mondiale, et ceux qui sont morts
comme mutins réprimés lors de cette tentative de coup d'État, sont associés, parce que tous sont morts pour un dieu qui a abandonné sa divinité. Puisque, Dominique le sait, mais je précise quand même, hein, donc comme vous le savez, en 1900, peut-être ou peut-être pas, mais en 1946, hein, il y a ce qu'on appelle en japonais la déclaration d'humanité. L'empereur, encouragé par les Américains à le faire, déclare qu'il est humain. Alors, en japonais, c'est un peu plus ambigu que ça, mais enfin, il souligne clairement que voilà, il n'est pas un dieu et qu'il faut abandonner ces pensées un peu rétrogrades qu'on avait pendant la guerre selon laquelle l'empereur serait un dieu. Donc Mishima, oui, il associe ces deux événements-là et effectivement, tu as raison, il a un rapport complexe avec l'empereur réel, Hirohito, parce qu'à la fois, il a été effectivement, semble-t-il, extrêmement touché par ce moment où il reçoit la montre de l'empereur qui, pendant 3 heures, dans une cérémonie, reste totalement immobile. Donc il a cru voir, finalement, en un sens peut-être, la divinité incarnée, et qui, en même temps, a été celui qui aurait trahi, finalement, sa propre divinité, sa cause. Après, là où j'ai envie de dire, c'est pas seulement quelque chose qui relèverait d'une sorte d'affect adolescent de Mishima, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rhétorique d'extrême droite en soi. C'est-à-dire que l'empereur au Japon, enfin l'empereur dans le discours d'extrême droite qui le divinise, a deux réalités. Il a une réalité comme entité abstraite, comme on pourrait dire en termes juridiques le droit naturel, l'absolu, ce qui ne peut qu'être parfait et qu'il faut suivre. Et puis, il a une incarnation réelle, une incarnation concrète, c'est l'empereur homme qui est en place. Et donc, le fait que l'empereur soit une sorte de structure à double niveau, elle est inscrite déjà dans la rhétorique d'extrême droite et elle explique ce type d'événement. Parce que là, c'est quand même des mutins qui se rebellent contre l'empereur au nom de l'empereur. Parce que il se rebelle au nom de l'empereur comme idéal, comme abstraction, comme droit naturel, contre l'empereur comme droit positif, comme droit réel, etc. Donc, en soi, là, Mishima, il est aussi finalement, tout simplement, il participe tout simplement aussi d'une rhétorique déjà en place. Même si, peut-être, il la pousse à son extrême. En tout cas, il en a vraiment conscience, justement, de cette double dimension-là, alors qu'effectivement, chez les petits catéchumènes de l'extrême droite japonaise classique, ils ne s'en rendent même pas compte par certains côtés. Enfin, ils ne voient pas cette dimension-là, ou ils ne sont pas forcément capables de la théoriser. Lui, il le voit très bien. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui veulent poser des questions? Parce que je ne voudrais pas monopoliser les questions. Et des questions simples, n'hésitez pas. Hein. Oui. Je sais que le débat est devenu un peu technique, mais... Une autre question. Vers la fin de sa vie, enfin dans plusieurs de ses écrits, Mishima a insisté beaucoup sur ce qu'on appelle le bumbu-ryodo, c'est-à-dire la double voix VOIE des lettres et des armes. Et toute son action, enfin dans les dernières années de sa vie, justement, comme tu le disais tout à l'heure, il semble y avoir un continuum entre son activité d'écrivain et son passage à l'action. J'aimerais avoir ton avis, parce que je pense que toutes sortes de stéréotypes se sont créés, notamment en Occident, en grande partie par la faute de Mishima, enfin par le choix de cette mort à la fois anachronique et spectaculaire. Et j'aimerais avoir ton avis sur l'essai de Yourcenar, Mishima ou la vision du vide, parce qu'elle va totalement dans cette direction du bumbu-ryodo, en affirmant à la fin de son essai que le suicide de Mishima est son œuvre ultime. Je pense personnellement que le rayonnement de Madame Yourcenar, plus une interprétation qui me semble totalement entachée de philosophie grecque et latine, ensuite a infléchi beaucoup parmi les intellectuels français ou les lecteurs qui s'intéressaient à Mishima, le point de vue sur Mishima, et même a pu fausser l'image de Mishima écrivain en France. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis relativement d'accord avec toi.
Bon, à la fois, je trouve que c'est un livre qui est merveilleusement bien écrit, puisque c'est Marguerite Yourcenar et qu'elle a une très jolie plume. Après, on ne peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir peut-être consolidé ou contribué à créer un certain nombre de stéréotypes sur Mishima, parce que c'était quand même peu d'années après sa mort. La connaissance qu'on avait de l'écrivain était encore partielle. Beaucoup de textes avaient été traduits de l'anglais. Mais il est clair que Mishima a contribué à créer une sorte d'idée que tout de sa vie, de son œuvre, devait être interprété ensemble. Et ça, c'est ce qu'il a fait beaucoup à la fin, avec sa mort. Il a aussi, par exemple, organisé une exposition quelques semaines avant de mourir, où il présentait sa vie avec quatre fleuves, le fleuve de l'action, le fleuve du théâtre, le fleuve de l'écriture, je ne sais plus quel est le dernier. Mais c'était vraiment instiller dans le public cette idée que on peut expliquer Mishima que comme un tout, que c'est pas possible de s'intéresser juste à l'œuvre. Juste à... Donc ça a contribué effectivement à appauvrir en fait un peu l'interprétation qu'on a eue de Mishima. Et c'est vrai que Yourcenar s'en défend, c'est-à-dire qu'elle dit au début qu'il faut pas surestimer ou ne considérer que cette mort, etc. Mais en fait, elle n'arrive pas. C'est vrai qu'on sent qu'elle n'arrive pas vraiment à se départir d'une certaine fascination. Et la mort de Mishima avait ce but-là. Hein. Il avait pour but de fasciner. Et pour ça, il a plutôt bien réussi. Mais... Oui. Oui, bonjour. J'ai juste une question assez simple. Je voulais juste savoir comment s'est fait le succès de Mishima à l'international. Le quoi ? Comment s'est opéré le succès de Mishima à l'échelle internationale ? Alors, quelles caractéristiques c'est intéressant comme question parce que il fait partie des rares écrivains de l'époque qui ont eu une aura internationale de leur vivant. On peut mentionner Kawabata, Tanizaki un peu, Kawabata et Mishima. Mishima a commencé à être traduit dans les années 50 en anglais et il y a un certain nombre de romans. Alors c'est le cas de Confession d'Amas, c'est le cas de Tumulte des flots, c'est le cas de Pavillon d'or qui ont contribué à lui donner une aura internationale. Lui-même était relativement actif quand même à cette fin. Enfin, il aimait beaucoup les États-Unis, il allait très souvent aux États-Unis, il a rencontré des écrivains américains, Tennessee Williams, le dramaturge Tennessee Williams, entre autres. Certaines de ses pièces de théâtre ont été aussi montrées aux États-Unis, à New York, de son vivant, etc. Donc il avait quand même une volonté hein, aussi de se faire traduire. Il était proche des traducteurs américains, Donald Keen, Ivan Morris, qui sont John Nathan, qui a été son biographe après. Il les a connus, hein, donc, qui étaient des jeunes étudiants à l'époque, et qu'il a connu personnellement, et c'est aussi grâce à ses relations avec ces personnes-là qu'il s'est fait traduire. Après, la mort de Mishima a aussi eu un aspect, si vous voulez, marketing exceptionnel. Hein. C'est un peu le problème, d'ailleurs, quand on regarde les traductions en français, c'est-à-dire que quand vous regardez les traductions en français de Mishima, au début, il est traduit du japonais. Et puis, vient sa mort, là, c'est vrai qu'en termes de marketing, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc, Gallimard veut profiter de l'effet d'aubaine. Donc, ils traduisent. Mais il faut traduire vite. On traduit de l'anglais. Et c'est ce qui explique qu'encore aujourd'hui, vous avez 40% à peu près des traductions du français qui, en fait, sont traduites de l'anglais. Ça s'appelle des traductions relais. Donc, c'est traduit du japonais, de l'anglais, puis du l'anglais vers le français. Et souvent, ça crée des écarts quand même assez importants avec le texte d'origine. Donc, il y a eu le moment de sa vie où lui-même joue un rôle, et puis voilà, c'est quand même un écrivain talentueux, donc forcément il rencontre un certain succès, et puis il y a eu sa mort hein, qui a quand même contribué à accélérer. Et là, je crois qu'on rentre dans une troisième étape, où on revient en fait vers Mishima en essayant d'oublier un petit peu cette question de sa mort, de son engagement politique, de ce qu'on appellerait le buzz finalement aujourd'hui, pour découvrir d'autres aspects, faire de nouvelles traductions, parce que c'est une œuvre immense. C'est une œuvre immense. Et là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir.
Oui, oui, bonsoir, Monsieur Garcin. Donc, je vous remercie pour les multiples sens, bien sûr. Donc, je voudrais revenir sur Yokoku. Et j'étais frappé par la musique de Tristan et Isolde utilisée. Et je me suis demandé si, au-delà de la dimension politique, je pense à la scène finale de Yokoku, où on voit, comment dire, le couple dans un jardin zen, je crois. Alors, j'aimerais une explication sur cette petite scène. Alors, je me demande si, au-delà donc du geste politique, il n'est pas plutôt fasciné par une dimension, un amour absolu, une recherche romantique d'un grand amour, en quelque sorte. Parce que c'est ce qu'il met en valeur, à mon sens, plus que le geste politique. Alors que dans la réalité, on ne sait pas si ce couple en 1136 s'est tué d'une façon aussi belle et romantique. Bon, voyez-vous ce que je veux dire, si je m'exprime bien. Ben, si vous voulez, la nouvelle, je me prononcerai pas trop sur le film, mais moi, parce que je suis pas spécialiste de cinéma et puis je connais très bien la nouvelle surtout, mais si vous voulez, la nouvelle, elle joue sur plusieurs registres littéraires et plusieurs topos en fait de la littérature classique japonaise, dont ce qu'on appelle le Shinju Mono en japonais, c'est-à-dire le double suicide amoureux, qui est en fait un thème dramatique hein, qu'on a dans le théâtre classique japonais, le théâtre de poupées le Bunraku, donc le théâtre de poupées, et puis le Kabuki aussi. C'est un thème qu'on voit de façon récurrente, hein, donc de la mort du couple. Et effectivement, dans Yukoku, la nouvelle, il joue sur ce registre-là aussi. Est-ce qu'il y croit ? Je ne sais pas. Je pense que pour moi, il en joue surtout d'un point de vue finalement littéraire, c'est-à-dire comme retravail d'une figure de style, en fait. Oui, mais dans le film, est-ce que ce n'est pas le fond, en fait, de sa pensée ou de son cœur ? Je pense que dans le film aussi, si vous voulez, il y a un travail formel qui est considérable. Et de ce, moi je connais de l'histoire du cinéma, là vraiment je ne suis pas spécialiste, mais à mon avis il y a aussi un jeu très marquant sur l'évocation en fait du cinéma d'avant-garde des années 20-30. Enfin, pour moi il y a clairement quelque chose qui relève de ce registre là après, je veux dire, si vous voulez, sur les interprétations thématiques que vous pouvez faire de ce film, oui, vous avez tout à fait le droit de l'interpréter comme ça. Hein. Et c'est à rapprocher à l'intervention de la première personne qui parle d'une personne, enfin Mishima, traversée par des affects et donc l'affect pour l'idéal de l'empereur. Bon, donc, c'est une autre version des affects. Est-ce que je me trompe ? J'ai pas très bien compris votre question, en fait. Je mets en relation la première intervention de la personne dans la salle qui a parlé de Mishima traversé par de grands affects, et dont l'affect pour la personne idéale de l'empereur. Oui, c'est, oui. C'est oui. Une autre forme d'amour qu'on peut relier à celle qui, à la dernière scène de Yokoku. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est présent aussi dans le film, enfin, et dans la nouvelle. Encore une fois, c'est intéressant finalement de voir Mishima et son œuvre comme un lieu de dissémination du sens. Il n'y a pas une seule interprétation qui est valable. C'est parce que tous ces éléments-là sont présents et Mishima les introduit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Hein. Même des questions simples, vous avez le droit, oui. Il y a une personne qui... En fait, c'est moins une question qu'un commentaire par rapport à la question de monsieur... concernant très précisément le film, enfin Yokoku, donc Rite d'amour et de mort, et ça va dans le sens de ce dont tu parles, c'est-à-dire la dissémination. Le thème, effectivement, c'est le Shinju, hein, c'est le double suicide des amants, qui est une des scènes clés du grand répertoire du théâtre Kabuki,
Et donc, ce sont généralement un jeune homme de la bourgeoisie et une jeune fille qui travaille comme geisha, voire comme prostituée, et dont l'union est absolument interdite dans la société du XVIIIe ou XIXe siècle. Donc, il décide que la seule façon de s'unir, c'est de s'unir dans la mort. Donc ça, c'est vraiment emblématique du kabuki. On est dans la théâtralité, mais en même temps, on est dans une certaine vision de l'amour absolu qui se rit des contraintes sociales. D'autre part, le décor dans Rite d'amour et de mort, c'est une scène de no. Donc, c'est-à-dire absolument le contraire du kabuki en ce qui concerne la pureté, si on peut dire, ou la concision du décor. Ce qui, moi, me frappe, c'est que là où, sur une vraie scène de no, vous avez le seul décor, c'est le fond de scène qui figure dans le théâtre no un pain, qui est la figure de l'immortalité, mais en même temps, l'arbre par lequel les divinités peuvent descendre pour venir dialoguer avec nous sur Terre. Et là, il n'a pas choisi le pain, il a mis une calligraphie. Et quelle calligraphie ? Ça se lit Makoto. Makoto, on pourrait le traduire par la franchise, l'authenticité, mais aussi la fidélité totale à l'empereur. Et puis, il y a ce prélude de Tristan et Isolde de Wagner, ce qui peut paraître faire, enfin, par rapport à l'esthétique même de ce film, enfin, un véritable galimatias. Mais je pense que dans l'esprit de Mishima, ce n'est pas un galimatias. Parce qu'on a toujours tendance, nous occidentaux, même maintenant, à faire l'opposition entre la culture occidentale. Mais c'est très étonnant que les Japonais, soit comme Mishima, soient tellement au courant de notre culture occidentale. Et on le présente toujours comme une opposition. Je pense que ça n'a absolument pas aucun caractère d'opposition chez quelqu'un comme Mishima. Au contraire, c'est à la fois dissémination et fusion, pour aller vers un idéal esthétique, enfin, me semble-t-il. De toute façon, il est clair que Mishima, il a un vrai talent pour effectivement créer comme ça des œuvres qui vont s'inspirer de choses extrêmement variées. Et pour moi, même si c'est fait de façon différente, parce que le médium n'est pas le même, parce que donc aussi les inspirations ne sont pas les mêmes, il y a quand même effectivement un vrai lien entre la nouvelle Yukoku et le film. En ce sens que dans les deux cas, il y a effectivement cette dimension de mélange de choses complètement variées, mais qu'il réussit à fusionner par une sorte par une réussite esthétique, en fait, tout simplement, par un ton qui permet d'unifier des choses tout à fait variées. Yukoku, c'est, j'ai parlé du genre du Shinjumono, donc du double suicide amoureux, et comme le rappelait Dominique, normalement, il y a un cadre qui explique que le couple doit faire ça. Là, chez Mishima, le cadre, la raison du double suicide amoureux, elle n'est pas très claire. Ce qui compte, c'est la forme, en fait. Et donc, il garde cette forme parce qu'il sait qu'elle est fertile d'un point de vue esthétique. Il y a des références à la littérature guerrière de l'époque médiévale, aux épopées guerrières. Il y a des références au kabuki, mais au kabuki de la fin de l'époque Edo. Enfin, en fait, il mélange comme ça des éléments très variés de l'histoire littéraire japonaise qu'il met dans une seule nouvelle. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a un aspect un peu carte postale aussi, par certains côtés, un aspect un peu Disneyland, c'est-à-dire que finalement, l'histoire comme évolution, etc., ne compte plus. On peut prendre ce qu'on veut pour créer une nouvelle réalité esthétique. Et je pense que dans le film aussi, il y a cette logique-là, et ce sont des œuvres, par ailleurs, assez réussies, enfin, d'un point de vue strictement formel, qui sont assez jolies, en fait, qui sont des beaux produits, si je puis dire, mais qui, à mon avis, illustrent aussi un certain rapport, peut-être, au réel de Mishima. Bonjour et merci pour cet exposé. J'ai une question. Vous êtes référé au sabre et au chrysanthème. Je l'ai un petit peu étudié. J'ai trouvé que c'était une vision un peu binaire du Japon.
Et ce que je me pose comme question, c'est pourquoi quelqu'un comme Mishima le prend comme livre de chevet. Ça me paraît étonnant parce qu'il est beaucoup plus complexe que ça comme homme. Oui. Alors, c'est un de ses livres de chevet. Hein. C'est pas le seul, hein, mais c'est un livre auquel il fait quand même référence assez fréquemment. Mais après, si vous voulez, oui, Mishima est quelqu'un évidemment de très intelligent, capable d'une pensée très élaborée, etc. Mais bon, l'intelligence est toujours déséquilibré par certains côtés. Ça ne l'empêche pas d'avoir besoin aussi peut-être de ces antithèses-là pour penser le monde, et il les trouve chez Luz Bénédicte et ça lui paraît utile. Après, il y a aussi quelque chose, c'est il faut quand même recontextualiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend avec une certaine distance critique ce type d'essai. Mais il faut se replacer dans le monde des années 60. Et là, je ne parle pas seulement du Japon. Hein. C'est-à-dire que le besoin comme ça, d'avoir une lecture un peu schématique des oppositions culturelles, il est déjà encore présent aujourd'hui. Enfin, il est toujours présent aujourd'hui et il l'était peut-être encore plus à l'époque. Et donc, ce type d'essai était considéré comme très, très valable, même si aujourd'hui, il paraît un peu démodé. Mais ceci étant, Luz Bénédicte, quand bien même son livre est à prendre, à mon avis, qu'il faut lire avec précaution, elle a quand même réussi une gageure. C'est-à-dire qu'elle a quand même réussi en un an, sans être allée au Japon, uniquement à l'aide d'entretiens et de livres, à écrire une sorte de théorie un peu de la culture japonaise qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui avait le mérite d'exister, hein, et qui a servi aussi quand même de base pour ensuite repenser les choses. Donc on ne peut pas lui ôter, si vous voulez, ce mérite-là, d'avoir finalement aussi posé les fondations d'un débat sur qu'est-ce que c'est que le Japon, la pensée japonaise, l'identité japonaise, etc. Donc elle a quand même eu un rôle prépondérant. Après, Mishima avait besoin de ça. Il avait besoin de ça peut-être aussi pour, à une certaine époque de sa vie, pour donner un peu de consistance à ses essais politiques, etc. Même les gens les plus intelligents ont des fois leurs propres aspects idiots, hein, ou un peu plus simplistes. On va devoir arrêter là. Donc remercier chaleureusement Thomas pour son cours de cinéma. Quand même, il y a eu des extraits.